FSI est un prestataire de services informatiques qui offre une panoplie de services allant de la formation jusqu'aux applications mobiles en passant par les intégrations de systèmes. Chez FSI, nous avons tout le temps utilisé les applications Microsoft, notamment Visual Studio, en termes de base de données SQL Server, parce que nous avons de tout temps été extrêmement proches de Microsoft. Pourquoi ? Parce que Microsoft nous donne la possibilité, à travers leur plateforme de développement, d'avoir tout ce dont un développeur a besoin pour pouvoir faire son travail. Le métier de software développeur consiste à traduire les besoins d'un client en solution informatique. Il peut s'agir de logiciels de gestion, back-office par exemple, aussi bien que des applications mobiles ou voire encore des sites web par exemple. L'avantage aujourd'hui avec Visual Studio, qui est un produit Microsoft, rien qu'avec cette solution-là, on peut développer toutes les solutions qui vont intégrer l'écosystème dont on va proposer à nos clients. Donc il s'agit de la base de données, il s'agit de l'application mobile, il s'agit du logiciel en back-office, il s'agit du web service aussi pour assurer la communication entre les mobiles et la base de données. Les outils Microsoft nous permettent aussi d'assurer une innovation technologique sur les prochaines années. Par exemple, avec l'arrivée du cloud, on n'a pas besoin de tout recommencer à zéro, nos solutions, uniquement pour s'adapter au cloud. L'intégration de nos solutions sur les prochaines années avec les nouvelles technologies vont se faire comme une lettre à la poste. Azure Mind est le système ERP que FSI a développé. Azure Mind est non seulement un outil ERP, mais aussi un système de collaboration pour ses utilisateurs. Par exemple, Azure Mind collabore beaucoup avec les outils comme SharePoint, comme Excel, comme Word, comme Exchange. Donc, dans nos solutions, ce n'est pas seulement donc, la gestion des données pour la comptabilité ou le stock, par exemple, mais aussi exploiter l'ensemble des outils au niveau de Office, au niveau de SharePoint, pour améliorer la productivité de nos utilisateurs. En tant que développeur d'applications, notre motivation est bien sûr de créer la solution idéale pour notre client, mais je pense que ça va au-delà de ça. La vraie motivation d'un développeur d'applications, c'est de pouvoir créer quelque chose, offrir une solution aux utilisateurs qui ferait que ça puisse vraiment changer leur vie.